Bonjour mes télésiens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. La veille de mon anniversaire, vous savez pas si vous, je sais pas si vous le savez, mais le 12 c'était mon anniversaire et j'ai reçu mon colis que j'attendais avec impatience. En plus, la box de mars. Oui, oui, je sais, on est en mois de septembre et c'est mars, c'est normal. J'ai eu des soucis avec. Ah ouais, c'est octobre. Oh, mais je suis blonde moi aujourd'hui. C'est pas grave, au mois d'octobre. Du coup, je suis contente parce que j'ai reçu la box. Et du coup, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Enfin, moi, je sais déjà, je l'ai ouvert deux fois aujourd'hui. Parce que je l'ai regardé parce que je voulais voir c'était laquelle. Et là, je viens de l'ouvrir parce que mon groupe voulait voir les livres. Du coup, je leur ai montré. Du coup, et en plus, j'ai un truc qui n'est plus dedans. Voilà, du coup, c'est la boîte comme d'habitude. Elle est belle, avec des petites fleurs. Et le papier, il est rose. Trop beau. Et du coup, on a ce petit sac comme ça. Je le dis franchement, je ne vais pas l'ouvrir. Après, je ne saurais plus le remettre dedans. C'est un kawaii en plastique. Vous voyez, quand vous mettez au-dessus des vêtements. C'est pas un truc que je veux ouvrir, que je vais même utiliser. Je vais peut-être tirer ça et prendre ça comme ça. C'est une petite pochette qui se ferme. Voilà, ça peut être très utilisé pour autre chose. Comme une petite attache pour mettre au sac. Du coup, je pense que je vais l'utiliser à autre chose. Mais ça, je pense le laisser comme ça. Pour pas avoir du mal à le replier, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Après, j'avais un petit sachet de bonbons que je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Ça fait 3 fois que je l'ai. Mais je l'ai déjà sorti parce que moi, je suis pas fan. Et il y en a une qui va être fan, enfin qui est fan et du coup qui va les récupérer. Elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo. Voilà. Du coup, je vous montre les deux marque-pages qui sont toujours de la même qui viennent de, enfin, de la même couleur que la box. Ça ne change pas, ça. Voilà. Et alors, aujourd'hui, on a un gros bazar. Vous voyez la différence que d'habitude, c'est un gros, gros bazar. Et il y a toujours le petit étiquette du petit colis collé. Et du coup, on va commencer. Je prends un à la fois, même comme je sais c'est quoi. Ça colle. Voilà, hop. Hop, hop, hop. Je prends celui-ci. Je dépose ça, vous allez mieux le voir. Voilà, qui est mon année parfaite chez Pocket. Et c'est Charlotte Lucas. Voilà. Moi, j'aurais pas été vers cette couverture. Voilà, c'est pas ce qui m'attire le plus. Voilà, j'ai encore un chat qui vient m'embêter. Quand je le touche, il s'en va. Du coup, je vais vous lire un peu le résumé. Si votre destin tombait entre les mains d'une inconnue, lui faisiez-vous confiance? Ça, c'est le petit texte qu'on a au début. Voilà. Moi, il me tente bien, ce livre. J'ai lu le résumé il y a 2 minutes. Il me tente vraiment bien. Je lâcherai bien l'autre pour lire celui-là, mais c'est pas le truc. Voilà. Là, mets-toi là. Là. Allez là. Du coup, je voulais le résumer. Jonathan, je tousse un coup, ça va aller mieux. Éditeur divorcé, passe plus de temps à râler qu'à profiter de la vie. Il ignore qu'une simple simple agenda va changer le cours de son existence. Tombé par j'arrive jamais à ce mot là et je cale hasard sur cet étrange journal de bord rempli d'actions plus étrangement les unes que les autres, il se laisse petit à petit convaincre, une tentée de l'expérience inédite. Plusieurs mois auparavant, Anna,
Anya, la jeune femme n'a optimisé à toutes ses épreuves, prenant que son fiancé était atteint d'une maladie incurable. Pour l'accompagner, elle lui offre un agenda avec lequel chaque jour une invitation à vivre pleine le temps qui lui reste. Voilà. Il me tombe bien le... Voilà. C'est écrit petit, très petit. Et je sais pas les pages. Ouais, quand même pas mal. Je crois que ça va être une histoire un peu triste. 520 pages. Voilà pour la couve. Voilà. Et le deuxième, c'est la brique. C'est celle qui est plus gros. Hop. Star de MC Bastien. Par contre, c'est aux éditions H. Mais je sais plus c'est de quel. Celui aussi, il a l'air. Celui-là, par contre, j'ai pas regardé celui-là. Mais celui-ci, il n'y a pas de prix. Celui-là, il en vaut 10,99. Il vaut la moitié de ma box, en fait. Celui-là, je sais pas. Faudra que je regarde sur Amazon. Celui-là, il vaut le prix de la moitié de la prix de la box. Déjà, c'est pas mal, quoi. Du coup, celui-ci, j'ai pas lu le résumé, par contre. Parce que, voilà. J'espère qu'il n'y a qu'une saison. Enfin, il n'y en a qu'un. Parce que j'ai pas envie de me taper 10 pavés comme ça. Parce que celui-là, il y a quand même... Ah oui, il va me faire reculer un peu plus, celui-là. Il a... 987 pages. Il va me faire vraiment reculer. Eh ben dis donc. Et il était imprimé au mois d'août de l'année passée. Enfin, de... Ouais, 2000... Ouais, l'année passée. N'est pas encore 2021. C'est moi qui... Du coup, je vais essayer de lire un peu le résumé. Parce que, regardez, c'est tout petit, hein. On peut pas faire ça plus grand, non? Même là-dedans, quand vous voyez, regardez, c'est tout petit. Quand vous avez lu une page comme ça, c'est deux pages dans un format normal, en fait. C'est énorme. Bon. Kirilla Forte. Et une carrière de tout ce que Gabi déteste le plus d'être riche, célèbre et séduisant. Il est doué, un de ses meilleurs joueurs basket de sa génération. Et bien sûr, ado. Par toutes les femmes, a priori, cet homme a donc tout pour lui déplaire. Juste à ce qu'elle rencontre au restaurant où elle est serveuse à mi-temps. Dès lors que Gabrielle prend conscience de trois choses, Kélia, ouais, c'est comme ça que je dis, quoi, n'est peut-être pas celle qu'elle imaginait. Il est biologiquement possible d'être très attiré par quelqu'un. On méprise et elle est mal barrée. Car le sportif s'est mis en tête pour une raison qu'elle ignore de la réconcilier avec le basket. Et elle a très envie de laisser convaincre, mais Gabri sait qu'elle doit rester prudent. Combien de temps un homme comme lui intéressera-t-elle une fille comme elle? Voilà. Je ne sais pas, ça me tente un peu moins, mais il me tente quand même. Même si j'ai une pile là, qui monte, et qui monte et qui descend pas. Voilà, mais ouais, il me tente.
Sucime, toi, t'as un peu plus. Pourtant, j'aurais pas été vers celui-là. C'est pour ça que j'aime bien la box, parce que c'est deux belles surprises. Voilà, ça me tente. Je sais pas. J'aurais été plus vers celui-là, dans le magasin. Mais en lisant la quatrième de couverture, me tente un peu moins. Que celui-là, j'aurais pas été du tout. Mais la quatrième de couverture me tente le plus. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bon, dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez déjà vu ou s'il y en a un qui vous tente. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est tout, hein. C'est tout. Je vous ai tout montré. Mes deux petits livres. Mes deux bricasses. Enfin, une plus que l'autre. Je suis contente. La box de mars était super bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.